Bonjour, bienvenue à la télévision rwandaise encore. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue à cette grande édition langue française dont la présentation sera assurée par moi, Idi Sabiti, avec l'actualité essentiellement consacrée à la visite du président polonais Andrzej Duda Sébastien, qui a donc poursuit son séjour au Rwanda depuis 2 jours maintenant, où aujourd'hui il était dans le district de Nyaruguru. Nous sommes au sud du Rwanda, notamment dans la zone des Kibeho. Sur place, il a visité donc une école d'enfants ayant des handicaps. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président polonais Andrzej Duda poursuit son séjour au Rwanda, où il est depuis 2 jours maintenant. Celui-ci s'est rendu dans le district de Nyaruguru, au sud du Rwanda, où il a visité à Kibeho, l'école d'enfants ayant un handicap visuel. Celui-ci a donc également visité cette école, et dont le pays, la Pologne, a offert du matériel, dont des imprimantes et du papier dont on se sert dans l'enseignement, destiné notamment aux personnes vivant avec handicap. De plus amples détails sur cet élément, j'invite notre confrère Kassim Youssouf. La directrice de cette école, Sœur Pia, a fait observer que l'objectif de sa création est d'aider les enfants ayant un handicap visuel à acquérir des connaissances comme d'autres enfants, ajoutant que les éducateurs et enseignants de cette école sont confrontés au problème de manque de matériel didactique et des livres propres à l'enseignement destinés aux enfants vivant avec un handicap visuel, mais qu'ils se débrouillent tant bien que mal pour avoir des résultats. Le ministre de l'Éducation a félicité cette école en soulignant que c'est la preuve que si tout le nécessaire est offert à n'importe quel enfant, il peut acquérir des connaissances qui lui seront utiles dans la vie. Il a par ailleurs salué l'appui que la Pologne apporte à cette école et à l'éducation en général. Il a souligné que le gouvernement du Rwanda continue à promouvoir l'éducation pour tous. Avant de visiter cette école, le président et la première dame de la Pologne ont visité le palais de la Vierge Marie à la Terre Sainte de Kibeho. Merci beaucoup donc à Kassim, à Youssouf. Poursuivons notre édition avec toujours la visite du président Andrzej Duda Sébastien au Rwanda. Celui-ci, en visite de travail, il a déclaré que son pays était prêt à collaborer avec le pays de mille collines, je cite le Rwanda, dans le domaine notamment de la sécurité et de manière particulière que son pays était donc prêt à soutenir des jeunes Rwandais, à faire face à tout ce qui pourrait donc provoquer l'instabilité du pays. Une fois de plus, j'invite Kassim Youssouf pour de plus amples détails. Le président Duda a fait cette indication ce mercredi au village Uruguiro lors du point de presse après le tête-à-tête avec le président de la République, Paul Kagame. En plus des accords que les deux pays ont signés, les chefs d'État sont revenus sur l'insécurité à travers le monde en général et ses effets tant sur le Rwanda que sur la Pologne, pays frontalier avec l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie depuis février 2022. Les conséquences de ce conflit armé ont touché la Pologne en tant que pays qui, jusqu'à présent, accueille des réfugiés ukrainiens. Les effets de cette guerre se sont répandus jusqu'aux pays lointains, dont ceux d'Afrique, y compris le Rwanda. Le président de la République, Paul Kagame, et son homologue polonais se sont rencontrés au moment où la région des Grands Lacs, surtout l'est de la République démocratique du Congo, est le théâtre d'un conflit armé et des discours haineux contre le Rwanda et la haute administration du pays.
S'exprimant à ce propos, le président de la Pologne a déclaré que pour bâtir la sécurité de la population, son pays est prêt à appuyer davantage le renforcement des capacités des organes de l'ordre et de défense du Rwanda dans le cadre de la protection contre tout ce qui pourrait apporter atteinte à la sécurité du Rwanda, compte tenu du niveau que son pays a atteint dans la consolidation de la sécurité durable. Aujourd'hui, celui qui a besoin de l'aide, nous la lui accordons. Nous avons soutenu l'Ukraine et nous continuerons. Et au cas où il sombrerait dans le malheur, nous sommes prêts à lui apporter de l'aide. C'est pour cette raison que nous parlons de l'éducation, dont des connaissances dans l'art militaire. Nous disons que les jeunes doivent se préparer à défendre leur pays chaque fois qu'une guerre lui sera imposée. Nous espérons que nous discuterons sur le partenariat durable en matière militaire. Le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que la coopération des deux pays est importante compte tenu de l'histoire, de la collaboration et de la vision des deux pays dans différents domaines, mais que l'essentiel est de renforcer l'intransigeance dans la préservation de la sécurité de la population des deux pays. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses que chacun pourrait bénéficier de l'autre, où nous pouvons trouver tous des bénéfices, même si l'un trouve plus de profit que l'autre grâce aux différents moyens. En fait, l'objectif essentiel, c'est la collaboration en braquant le regard devant nous en vue de nos bénéfices, en se référant à tout cela. Et les pays qu'ont été nus de l'histoire de la situation, des leçons pour les deux parties et la fondation mise en place, cela pourrait nous raffermir dans l'optique de prévenir d'autres situations fâcheuses qui nous tomberaient dessus ou que nous puissions bien les combattre lorsqu'elles surviennent. Mais tout devrait reposer sur cette compréhension et mettre en place des moyens permettant de trouver des solutions à ces défis. Le Rwanda et la Pologne ont fait un pas appréciable dans la coopération touchant différents domaines grâce aux politiques de deux pays fondées sur l'autonomie et le développement de leur population. Après le Rwanda, le président de la Pologne va ce jeudi poursuivre sa visite d'État en Tanzanie. Merci donc à Kassim Youssouf. À ce propos, dans ces studios, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Il est ancien représentant du Rwanda à l'ONU. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, toujours un plaisir d'être avec vous. Déjà, comment doit-on placer, dans quel contexte doit-on placer cette relation Rwanda-Pologne? Le contexte original, je dois dire, c'est un contexte de partenariat où vous avez deux pays qui sont amis et qui se sont échangés des représentations diplomatiques et qui ont des choses à offrir à l'un et à l'autre. Mais le partenariat dont je parle, c'est un partenariat qui est participatif, c'est-à-dire ce n'est pas de relation de supérieur à inférieur ou de très riche à très pauvre, non, c'est pas ça. C'est plutôt la recherche du terrain commun où les peuples peuvent s'entendre et essayer de s'entraider au fur et à mesure que les relations s'implantent. Mm-hmm. Et ça, c'est vrai pour la Pologne et le Rwanda. C'est un grand pays, il a presque trois fois la population du Rwanda. Donc, 30 millions et quelques. De 35 millions à peu près. Mmh. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'offres de ce côté-là, il y a beaucoup d'opportunités aussi, tout comme il y a des opportunités ici pour les Polonais qui viennent. Et c'est déjà démontré qu'il y a des Polonais qui sont bien établis ici et qui font de bonnes affaires. Mmh. Donc aussi longtemps que nous avons des services, nous avons des industries, nous avons des activités agro-industrielles, tout ça, ça fait partie
des ouvertures possibles pour la collaboration. Très, très intéressant ce que vous dites, mais maintenant, pour, en ce qui concerne maintenant la position stratégique, déjà dans le domaine de la géopolitique, que représente aujourd'hui la Pologne sur l'échiquier international et particulièrement sa position géographique dans ce monde si trouble? La position géographique, géopolitique de la Pologne est très, très stratégique, je dois dire. Mmh. Très stratégique parce que c'est entre les pays européens de l'Est et les pays occidentaux. Et de ce fait, vous avez deux entités qui sont traditionnellement, qui étaient plus ou moins écartées l'un de l'autre, mais aujourd'hui, qui se rapprochent davantage et qui ont pu créer une certaine famille dans l'Union européenne où les gens, où les pays se retrouvent pour essayer de s'échanger les services et se compléter dans la recherche des solutions qu'ils ont en Europe. Parce que bon, aujourd'hui, quand vous parlez de l'Union européenne, c'est un mouvement de personnes et de biens. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça a un avantage très impeccable pour les populations européennes des deux côtés, que ce soit l'Europe de l'enseignement de l'Est et l'Europe occidentale. Poursuivons. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Monsieur l'Ambassadeur, mais la visite du président polonais, il s'agissait, c'est vrai, d'un côté partenariat sur le plan de la diplomatie, politique également, et de la sécurité, mais il s'agissait également de l'économie, en tout cas. Et ce qui va déterminer la résilience mondiale face à la crise économique actuelle, c'est la manière avec laquelle les secteurs publics et privés vont essayer de travailler ensemble, le fameux PPPPP, ou sinon le partenariat privé et public. C'est en tout cas l'indication faite par le président de la République, Paul Kagame, alors qu'il participait le mercredi dernier au forum des affaires entre les hommes et femmes d'affaires rwandais et polonais. Également, forum auquel participait son hôte, le président Duda de la Pologne. On va suivre cet élément avec notre confrère Nili Dandy. Patrick. Cette rencontre économique a réuni 80 entités privées rwandaises et 18 polonaises. Dans son mot, la secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Jeannine Munyeshuri, est revenue sur les efforts mis en place par le Rwanda pour favoriser les investissements dans le pays, en Afrique et dans le monde. Elle a rappelé le secteur clé de ce partenariat économique entre les deux pays. Notre gouvernement a donné la priorité à des secteurs tels que l'agriculture, la technologie et l'innovation, ainsi qu'à l'industrie et l'économie respectueuse de l'environnement, comme je l'ai déjà mentionné, ce qui a permis à certains investisseurs polonais de se sentir à l'aise lorsqu'ils souhaitent pénétrer les marchés rwandais. Le président polonais a indiqué pour sa part que le secteur privé polonais est enthousiaste à l'idée d'investir au Rwanda car le pays met en place des mesures incitatives pour encourager les investisseurs privés et des mesures de sécurité pour protéger ses investissements. Cela semble surprenant, mais de nombreuses sociétés d'investissement souhaitent commencer à travailler au Rwanda. On ne les trouve nulle part ailleurs, mais c'est ici au Rwanda, car ce pays leur donne tout ce qu'ils désirent, y compris la sécurité de leur investissement, des institutions efficaces qui travaillent ensemble et de manière durable, facilitant les investisseurs, mais aussi, le plus important, ce sont des gens qui ont la volonté de travailler. Je tiens à dire que le Rwanda a montré sa volonté de faciliter les investissements pour les Polonais et a montré des secteurs qui intéressent notre secteur privé, notamment dans le domaine de la technologie, de l'agriculture, de la sécurité technologique, de la technologie des drones et bien d'autres. De son côté, le président Paul Kagame a abondé dans le même sens en indiquant que la résilience mondiale face à la crise économique actuelle, c'est la manière avec laquelle les secteurs privés et publics vont essayer de travailler ensemble.
Il a aussi précisé que la priorité doit être accordée aux besoins des citoyens. De nombreuses organisations sont représentées ici aujourd'hui, ce qui démontre que nous avons beaucoup à partager. Au Rwanda, nous travaillons dur depuis longtemps pour créer des moyens permettant aux hommes d'affaires de travailler et d'innover plus facilement. En raison de la crise que notre pays a traversée, nous n'avons pas pu développer le secteur privé à la vitesse que nous souhaitions. Mais nous avons essayé d'utiliser le peu dont nous disposons et de le partager en donnant la priorité aux besoins de notre peuple. C'est l'un des meilleurs investissements que nous ayons jamais fait. Le ministère rwandais des Finances et de la Planification économique a indiqué que la Pologne a actuellement 4 grands projets au Rwanda avec un investissement d'une valeur de 72,3 millions de dollars américains et que ces différents projets ont pu créer plus de 330 emplois pour des Rwandais dans divers secteurs, notamment la santé, la technologie, l'énergie et la construction. Merci beaucoup, Agnelli Dandy-Patrick. Monsieur l'ambassadeur, la Pologne, c'est des pays dont nous ne partageons pas forcément l'histoire récente, mais c'est des pays qui s'intéressent de plus en plus et au Rwanda et au continent africain de manière générale. Déjà, qu'est-ce qui explique cet intérêt que la Pologne puisse avoir et sur le Rwanda et sur le continent de manière générale? Mais écoutez, la Pologne, c'est un pays qui a beaucoup souffert pendant plusieurs années avant. Au niveau des exterminations qui ont eu lieu, ça c'est l'histoire de l'Europe. Mais depuis que la Pologne a souffert, ils ont essayé de se reconstruire de façon beaucoup plus dynamique. Et cette façon de vivre les années antérieures, donc dans une situation assez serrée, ressemble beaucoup à celle que nous avons traversée comme Rwanda, comme pays. Et nous avons ce rapprochement et cette confrontation d'idées et de solutions pour dire, écoutez, voilà comment vous pouvez augmenter ou maintenir votre résilience dans le sens de Et ça, c'est déjà quelque chose de très important parce que à travers les relations diplomatiques et à travers les relations socio-économiques qu'on a déjà avec la Pologne, on peut facilement améliorer nos industries, on peut facilement améliorer notre éducation parce que l'éducation professionnelle très très poussée qu'on a aujourd'hui en Pologne comme ailleurs, mais surtout en Pologne, ils sont disposés à recevoir nos enfants et nos jeunes professionnels pour qu'ils puissent s'améliorer davantage dans la spécialisation, que ce soit en médecine, que ce soit en diplomatie aussi, ça on en parle moins, mais il y en a, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de la manufacture, parce que les gens aussi, il faut qu'on sache comment transformer ce qu'on a produit ou ce qu'on a dans le sous-sol. Et ceci, c'est la voie à suivre parce que plus tard, je crois que l'avenir, c'est l'industrialisation. Et cette industrialisation peut se faire avec une collaboration des gens qui ont la bonne volonté et la connaissance dans le domaine. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, ces nouveaux partenaires du continent africains qui n'étaient pas forcément des partenaires traditionnels, entre guillemets, est-ce que leur intérêt et surtout la place que ces partenaires trouvent en Afrique et surtout dans les cœurs des Africains, ce n'est pas aussi quelque part justifié par un désamour ou surtout peut-être une sorte de déception que les Africains ont connu avec leurs partenaires traditionnels et dont l'histoire peut-être coloniale. Bon, ça, je crois que ce serait mieux de mettre tout cela dans le contexte historique. Dans les années 1800, prenons pour exemple 1885. Vous faites allusion à la conférence de Berlin. Oui, les quelques pays qui se sont réunis à Berlin, ce n'est pas tous. Ce n'étaient pas tous les pays européens à ce moment-là, non.
c'est quelques-uns. Mais qui avaient droit à la parole. Voilà. Non, ceux qui avaient droit à la parole à ce moment-là, c'est eux qui pouvaient décider ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils ont pu faire. Ceux-là qui n'ont pas été consultés à l'Europe, je veux dire, hein, les autres pays, comme les pays scandinaves et autres, sont tout aussi, comment je veux dire, désavantagés comme les Africains qui subissaient ce qu'ils n'avaient pas choisi. Ils n'avaient pas été consultés non plus. Mmh. Alors aujourd'hui, s'ils se disent, ben voilà, à ce moment-là, en 1885, en 1900, quand ils se sont départagés les pays, etc., ils ont fait les accords, nous, nous étions là en train de regarder, mais on avait aussi envie de dire, ben, pourquoi pas nous? Si ceci arrive après 100 ans, ou 80 ans, ou 77 ans, ce n'est pas grave, mais il faut que ça arrive. Si ça arrive que chacun a sa part dans la contribution de développer son pays, parce que la plupart de ces pays se sont développés à base de ce qu'ils avaient comme colonie. Mm-hmm. Ça, c'est une vérité qui n'est pas discutable. Mm-hmm. Alors, si aujourd'hui ils disent, écoutez, ils ne sont plus colonisés, donc ils sont comme nous, nous pouvons aller en partenariat et essayer de voir comment nous aussi, on peut avoir ce que les autres ont cherché. Parce que ce qu'ils ont cherché, ils cherchent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, en tout cas, c'est une sorte d'émancipation de part et d'autre, que ce soit du côté des Africains ainsi que des Polonais. En tout cas, merci beaucoup pour l'éclaircissement que vous avez apporté à la Pologne et surtout à ce nouveau partenariat. Mais tout en restant sur le point, l'ambassadeur Mutawa a évoqué le passé tragique que les Polonais ont connu, mais également le Rwanda a également connu un passé tragique, notamment le génocide perpétré contre les Tutsis. Et c'est à ce sujet même que le président polonais Duda, aux côtés de sa femme, les deux sont allés s'incliner devant plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, qui repose notamment au site mémorial des Gisozi dans la ville de Kigali. Pour les détails, Nili Dandi Patrick nous y amène. Le président polonais et la première dame de ce pays ont rendu hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis. C'est le mémorial de Kigali qui a reçu la visite du couple présidentiel polonais. Sur ce mémorial reposent les corps de plus de 250 000 hommes, femmes et enfants tués un peu partout dans la ville de Kigali et qui ont été récupérés pour leur offrir une sépulture décente dans ce mémorial. Le président polonais et la première dame de ce pays ont visité les différentes salles de ce mémorial en suivant les explications sur l'histoire du Rwanda depuis l'époque coloniale avec les premiers germes du génocide qui avaient été implantés au sein de la société, la politique discriminatoire qui a suivi l'indépendance du pays, la planification du génocide, sa mise en exécution et la lutte pour l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que les efforts de reconstruction du pays après la tragédie. Dans le livre d'or, le président Duda a déclaré « Au nom de la République de Pologne et de la nation polonaise, nous nous associons à la commémoration de plus d'un million de victimes innocentes du génocide contre les Tutsis. » Le président polonais a déclaré que la visite de ces mémorials de Kigali est une expérience profonde. Signalons que le couple présidentiel polonais effectue une visite d'État de 2 jours visant à renforcer les relations bilatérales entre le Rwanda et la Pologne. Merci beaucoup Agnelli Dandi Patrick. Changeons de chapitre à présent pour parler nouvelles technologies avec le ministère des tutelles. Le ministère des technologies et de l'innovation a eu des discussions ce jeudi autour de la campagne Kwadi Cashless qui promet donc les transactions sans liquidité. Était présent à l'hôtel Serena de Kigali, des partenaires dans l'exécution de cette campagne et des agents du secteur d'éthique, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour de plus amples détails, notre consoeur Ndi Kumasabo Amandine nous en dit plus.
L'objectif principal des discussions d'aujourd'hui était fondamental pour l'exécution de la campagne des transactions sans liquidité. La ministre rwandaise des technologies et de l'innovation, honorable Paola Ngabire, met un accent sur le fait que Twagi et Cashless servent de plateforme pour les citoyens de donner leur point de vue, car tout ce qui se fait vise à l'amélioration du bien-être de la population ainsi que le développement du pays. Célestin Kaitali, directeur général de l'Office national des postes, explique ce que représente cette campagne pour lui. Cette campagne, tous les acteurs dans le domaine, comme vous l'avez entendu, cherchent à voir comment collaborer, comment créer des partnerships pour, d'une part, réduire employer moins d'outils qui découragent les gens à adopter, disons, les transactions numériques, mais aussi et de voir qu'une fois qu'ils sont enrôlés dans les différents systèmes, que ces différents systèmes puissent travailler ensemble, puissent présenter une façade commune qui faciliterait les transactions et surtout en réduisant les coûts d'opération. Ignace Touratsin, directeur du système d'octroi de services financiers numériques au Rwanda, exprime que ces discussions sont d'une grande importance pour voir comment relever les défis actuels. En tant qu'un acteur mineur dans l'industrie financière, je crois que c'est le moment où on rencontre nos consommateurs ou les potentiels consommateurs et on écoute les problèmes, ce qui fait que le taux d'adoption de services digital financiers est aussi encore un peu plus bas comparé à des autres pays qui en voie de développement. Et donc, en tant qu'un acteur et aussi mes confrères, des acteurs majeurs dans l'industrie financière, c'est le temps d'évaluer quels sont les vrais problèmes. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'infrastructures pour servir à nos consommateurs ou on a besoin seulement d'innover autour du business model? Pourquoi encore les prix sont encore très élevés? Le Rwanda aspire à être une nation sans liquidité. Pour ce, le gouvernement a beaucoup investi dans les technologies de l'information et des communications. Il matérialise actuellement un des plans relatifs à travers le ministère des technologies et de l'innovation qui conduit la campagne Twagi et Cashless. Il est très important de collaborer avec les secteurs publics et privés où le résultat de la collaboration de la précédente campagne s'évalue à la couverture de 24 000 individus, 1095 commerçants et 1264 nouveaux clients qui ont été enregistrés à différentes plateformes numériques. Merci donc à Amandine Ndikouma Savo. C'est même par cet élément que nous mettons un point final à notre édition qui aura consacré le gros du paquet donc à la visite d'État du président polonais Andrzej Duda et sa compagne. Merci beaucoup d'être fidèle à la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.